Vous faire. Hey! Aujourd'hui, c'est dangereux. Allez, tais-toi, la ferme. Qu'est-ce que tu racontes? Ces garçons sont dangereux. Maman, nous chantons, non, nous chantons la louange pour la gloire des dieux. Hey. Allez, tais-toi, mon ami. Es-tu obligé de chanter? Non, non, tu es avec les garçons d'Ongeni. Ah. Tu ne sais plus comment glorifier l'Éternel. Maman? Psaume 95, verset 1 dit ceci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons le cri de joie vers les rochers de notre salut. Alors chantons la louange pour la gloire du Seigneur. C'est vraiment chantons. De la folie, mon père. Arrêtez-moi ça. Ah non, fia, dégagez-t'es là. Vous êtes vraiment malade. Mais comment est-ce que vous pouvez chanter avec les garçons d'Ongen et mon père? Et d'ailleurs, c'est quoi cette stupide chanson? Allez, à l'intérieur. Mais, maman, écoute. S'il vous plaît, soyez le révérend père modèle que vous avez le toujours été. Le futur prêtre, il n'est pas encore consacré. Ne changez pas. Allez, tais-toi, de quoi c'est tu te mêles? Ce que tu fais n'est pas normal. T'es grâce, c'est un prêtre. Il a déjà une place au paradis. Il c'est faut d'abord vrai. Chercher le royaume des cieux. C'est ça la chose la plus importante. Mais, maman, nous essayons de louer Dieu de notre façon traditionnelle. Hey, mon frère. Glorifier l'Éternel n'a rien à voir avec la tradition, mais c'est entre à l'intérieur. Maman, nous essayons d'apporter nos voix locales, comme vous le savez, de l'église. Dieu n'aime pas ce genre de choses, parce qu'en fait, quand c'est obscur, et vous, vous êtes un enfant de Dieu. Maman, allez, à l'intérieur. Maman, nous voici déjà commencé. On ne discute ça, ce n'est pas, c'est pas comme le ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça commence. Maman, allez. Rappelle-toi comment David louait Dieu. Comment? Il chantait avec les flûtes. David chantait les psaumes d'allégresse à Dieu. Mais oui. Et toi, tu le fais avec ça? J'essaie d'utiliser les maracas. David utilisait la flûte. Ok. Et pas au Bwana Tchaka. Allez, à l'intérieur. Allez, fais vite. Tu m'appelles aussi maman. Va à l'intérieur. Et loue ton Dieu comme tu l'as toujours fait. Et quant à vous, les idiots, vous êtes toujours là. Revenez, ne partez pas. Oh Seigneur Jésus, mais c'est quoi cette chose diabolique? Viens. Que je vienne faire quoi? Quoi? Point de correction. Qu'est-ce que c'est? Ton fils n'est pas encore ordonné. Écoute, madame, je sais très bien que tu es jalouse. Parce que mon fils, le révérend père Steve Okande, a déjà une place au paradis. C'est ça ton problème. Tu ne peux pas faire cette diplomatie. Ne t'inquiète pas. Tu as des yeux, mais tu ne peux voir. Allez, prends ça, je t'en prie. C'est vraiment inconcevable. Amuse-toi bien, ma belle. Blessed Virgin Mary, if you know you can man, I don't know my mother, if you know you are up on my father, I read on my father, one woman become a priest, okay, to Lily Father, okay, to Lily Father, I, my man, but you know, I'm a 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 man, but you know, I'm a
must be inoga waliya waya ifeni medina kashuku gene bi wagyo nefada. She wants him to be a ref. Ma hanche. Calme-toi, hein? Calme-toi. Je suis désolé. NSC, madame. NSC encore. Désolé. Madame, s'il vous plaît. Bébé, tu peux, bébé. Calme-toi, nous sommes ensemble. Tu peux, bébé, ok? Je suis là avec toi. Tu peux. D'accord, madame. Vous le faites bien, madame. Après que je compte jusqu'à 3, vous me donnez votre dernière poussée. 1, 2, 3, poussez! Encore bébé, une fois de plus, allez-y, une fois de plus. Hé oh, hey. Mon père, allez, réveille-toi. Ne vas-tu donc pas aller à la messe? Hein, mon père? Bonjour, maman. Bonjour. Maman, hein? Je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter de m'appeler père. Hein? Je ne suis pas encore prêtre. M'appeler prêtre, ça va me causer des problèmes. Je suis sûr que tu n'es pas prête pour supporter, peu importe le problème qui peut m'arriver. Alors je t'en supplie, laisse-moi continuer avec les processus. Hein? Au moment où je deviendrai le révérend père, c'est alors que tu pourras m'appeler révérend père autant de fois que tu voudras. Eh bien, je suis fier de toi. Et je sais que tu es un prêtre. Je me demandais, depuis que tu es revenu, tu as changé. Tu ne pars plus assister à la messe le matin. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que tout va bien. Maman, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Pardon, tu es sérieux? Ne m'appelle plus révérend père. Je suis encore un séminariste. Pardon. Mon père Steve, je n'arrêterai pas de t'appeler comme ça parce que pour moi, tu es déjà un prêtre. Hein? Donc, tu dois déjà t'habituer. Oh, Seigneur, c'est comme dit Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. J'ai besoin de partager avec toi ceci. J'ai rêvé ces rêves particuliers 3 fois la semaine. Dans ces rêves, je me voyais moi-même marié et ma femme aussi a mis au monde. Le sang de Jésus! As-tu déjà parlé au père Jacob à propos de ces songes? Non, pas encore. Je suis en train de le gérer moi-même et prier aussi là-dessus. D'ailleurs, je ne veux aucun mal arrive à mon ordination. Je serai ordonné prêtre dans quelques mois. J'ai peur de lui dire parce qu'il va commencer à réfléchir que c'est la réflexion que tu as dans ta tête pour devenir prêtre. Tu n'as pas à conclure. Le père Jacob est juste comme un père biologique pour tout un chacun de nous. Tu dois lui parler de ce songe afin qu'il te vienne en aide par des prières. Je crois fermement que le diable est au travail. Je le crois aussi. Je le verrai immédiatement après la prière. S'il te plaît, fais-le. Tu dois aller le voir juste immédiatement après nos prières.
Maria yo-yo, mama mo Maria dinsa, ezine Maria yo-yo, mama mo. Maman. Oui, ma fille. Bonjour. Bonjour. Gentille fille, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, maman. Juste sois concentrée pour recevoir la bénédiction matinale. Ok, maman. In animos spiritus sanctus. Réponds. Amen. C'est ça, ma fille. C'est très sage, ma fille. Merci, maman. Maman, oui. C'est comme si tu sais parler latin. Mais écoutez-moi ça, mon Dieu. C'est pas comme si je connais, je sais parler latin. Mon fils est un prêtre. Donc, tu vois, je suis aussi comme un prêtre. Parce qu'il m'apprend tout ce qu'il sait, donc je connais quelque chose. C'est très bien. À propos, j'espère que tu fais partie de la Légion Marie. Non, hey! Maman. J'ai de la salive. Allez, j'ai de la salive. Non. Pourquoi tu n'es pas active? C'est quoi ton problème? Tout ce que nous faisons dans ce monde est qu'en fin de compte, nous puissions partir au paradis. Et si tu ne rejoins pas ces groupes, sais-tu ce qui va t'arriver? Tu iras en enfer. Sans effet. Que Dieu me pardonne. Et à propos, cette tenue que tu as portée qui montre tes seins et aussi tes postérieurs, c'est pas du tout bien. Les hommes vont commencer à te regarder, tu vas les distraire. Prochainement, porte quelque chose qui est ample, qui ne montre pas tes parties. Tu es en train de guider les hommes vers l'enfer. Et bien sûr, tu vas les suivre. Mais si tu t'habilles décemment, tu iras au paradis. Ok, et maman, ma fille, père. Merci, maman. C'est bon, d'accord. Rappelle-toi de cette chanson. Non, maman. Ezine Maria yo-yo. Mama mo Maria dinsa wagolo. Ezine Maria yo-yo. Mama mo Maria dinsa. Ezine Maria yo-yo. Mama mo Mon fils, Stephen, dans des moments comme celui-ci, le diable fera tout ce qu'il peut pour t'empêcher de servir le Seigneur. Il continuera de s'amuser avec tes émotions par la séduction afin que tu ne travailles pas pour le Seigneur en tant qu'un prêtre de Melchisedec. Je veux que tu tiennes encore plus ferme dans des temps comme celui-ci et prie surtout sans cesse et la victoire sera tienne. Je t'assure, mon cher fils, tu ne verras plus du tout ces genres de rêves. Mais si par aventure s'avère à revenir, fais-le-moi savoir. Je le ferai, père. Bien. Prions maintenant. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que sa puissante lumière luise en toi. Que sa gloire resplendissante te couvre. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Continue de te fortifier dans ton combat. Je dois partir maintenant. Ça va. Merci, père. C'est cela. Oh. Je n'attends que mon admission. Pas de problème. Il sera couronné. Hey, regarde ce que je vois. Si c'est lui qui me faisait surprendre et que nous lui disons bonjour sur lui, elle peut même te bénir au nom de Marie. Es-tu sérieux? Si je te le dis, Maria et qu'on la salue, elle peut donner tout ce qu'elle a de mieux. Ave Maria. Bonjour, maman. Oh, bonjour les filles de Marie. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'avez-vous porté? C'est quoi votre problème? Pourquoi portez-vous une tenue qui dessine vos cuisses et vous laissez les hommes voir même au-delà? Bah... Je vous en prie, c'est pas bien. Vous devez changer, mes filles, je vous en prie. Hein? D'accord. Ok. Maintenant que vous êtes debout, laissez-moi vous donner une bénédiction. Ô Dominus, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te prie, ô Père éternel, protège-le et bénis-le pour qu'il sorte et revienne à la maison avec ta bénédiction et couvre-le par ton sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'ai pas de communion pour vous donner, mais je vais vous donner ce que j'ai,
Hein? Oh, je les ai trouvés. Oh, ça, c'est pour toi. Merci, maman. Et ça aussi, c'est pour toi. Merci, Achetez madame. Achetez tout ce que vous voulez. Oh, non. Achetez-vous quelques habits pour vous couvrir le corps. Ok, maman, merci. Je te l'avais dit. J'avais entendu dire par les pères que c'est son fils qui deviendra prêtre. Elle n'a pas pu attendre que son fils devienne prêtre. Elle a commencé à bénir le peuple. D'ailleurs, elle donne aussi la communion. Ma chère, en regardant cette femme, bientôt là, elle aura sa propre église. Bien sûr qu'elle devient lunatique. Ma chère, très bientôt, les gens iront dans sa maison pour la confession. Tu n'es pas sérieuse, toi. Mon frère. Ah! Esther. Désolée. Viens là. Viens. Comment oui, ça va? Ça va. Et vous aussi? Je suis bien portant. Oui. Comment as-tu? Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Oh, qu'est-ce qui te retient? Esther, non, arrête. Arrête. Alors, dis-moi un peu, où est-ce que tu en es avec ton formulaire? Aussi les préparations pour devenir révérende sœur? J'ai déjà fini de remplir les formulaires. Je n'attends que mes parents pour la signature. Très étonnant. Tu es sérieuse? Mais Esther, je veux que tu pries pour cette décision. Parce que devenir révérende sœur vraiment demande beaucoup de sacrifices pour arriver à la consécration. Ne le considère pas juste comme un rituel de l'Église catholique. Mais tu dois également renoncer à beaucoup de choses en rapport avec la vie sociale, telles que le mariage et avoir les enfants. Alors je vais à ce que tu pries beaucoup, jusqu'à ce que Dieu va te répondre. Tu dois réellement savoir si Dieu veut à ce que tu le serves comme une révérende sœur. Si pas, tu le regretteras. Ah. Oui, j'avais eu le temps de réfléchir sur ça. J'ai aussi eu le temps de prier. Mais après tout ceci, je me suis décidée enfin de servir Dieu comme une religieuse. En plus de vous avoir à mes côtés, je serai encore propulsée à bien servir l'Éternel et à rester attachée à l'autel. Ne voyez-vous pas? Esther, n'es-tu pas sûre que tu vas devenir une révérende sœur parce que moi je deviendrai révérend père? Non, bien sûr que non. Non. Désolée. Tu sais, j'ai toujours aimé votre façon de nous conduire à la commission de jeunes. Oui, et devenir une sœur religieuse, c'est la seule option que j'ai eue. Puisque vous aussi, vous allez devenir un révérend père. Et oui, Steven, est-ce que tu t'es vraiment imaginé toi-même comme un révérend père et moi aussi comme une sœur religieuse? Esther, il y a beaucoup de choses auxquelles j'imagine. Mais je ne peux pas t'interdire de continuer avec ta décision. Tu es très belle alors, nous devons être ensemble. Je suis vraiment ravie de joie de te voir prendre une décision pour servir Dieu. De ton âme, ton corps et ta force. C'est bien, continue comme ça. Je te souhaite un succès. Merci. Allez, continue comme ça. Alors, comment va ta mère? Elle va bien. Maman, je t'en supplie au nom des dieux. Tu dois laisser de propager ces fausses rumeurs. Hein? Tu es allé en parler à l'une de tes amies. Tu lui as dit que je suis prêtre. J'ai entendu que tu partages la Sainte Communion.
Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est une impécination. Hein? Ça va créer des problèmes à mon ordination. J'ai encore quelques mois pour être un diacre. Après cela, je deviendrai prêtre. Tu dois faire très attention. Spécialement, les gens ont les yeux sur nous. Écoute. Mon fils. Il est déjà trop tard pour la conseiller à propos de cela. Qu'est-ce que tu racontes? Exact. Et spécialement maintenant qu'elle a commencé à prier et bénir les gens dehors là en masse. Hey. Mais la question est celle-ci. Es-tu au courant de ce que fait ta maman là? Hein? Parce que je ne dors presque plus la nuit. Si je dors et que je suis en train de ronfler, ta mère pense que ce sont des esprits qui sont venus pour m'emporter. Mon fils, sais-tu que ta chère mère m'a déjà réveillé en plein milieu de la nuit pour confesser? Exact. J'aimerais te demander, Mary Okando, étais-tu présente le jour de l'ordre de Melchizedek? Dis-nous! Maman? Mon père? Faire la confession? Je ne vois aucun mal avec le fait de les réveiller la nuit pour confesser. Maman? Si tu vois quelqu'un très alité, donc la façon dont tu le vois, c'est comme s'il va mourir. Je voulais qu'il puisse confesser pour enfin se libérer. C'est quoi le mal avec ça? Maman, faire confesser quelqu'un? Et après quoi? Ce n'est pas nécessaire. Es-tu une catéchiste? Maman, tu te prends pour une catéchiste pour faire la confession ou quoi? Je ne comprends pas. Si la confession se passe auprès des catéchistes, alors je peux faire la même chose. Je crois qu'il lui faut une prière. Reviens par ici. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Christo Santos. Christo Santos. Christo Santos. Combien de fois t'ai-je appelé? 3 fois. Tu parles beaucoup, à tout moment. Ton. Tu fais maintenant du commérage. Ne réalises-tu pas que tu es un homme? Peu importe, laisse-moi te donner un conseil. Aussi longtemps que mon fils sera un prêtre, le révérend père, hein? Et cela veut dire que moi aussi je serai considéré comme un prêtre. Il y aura la confession, les offrandes et voire même la communion, que tu le veuilles ou pas. Je veux dire, ça fera une très grande différence entre moi et les autres mamans des prêtres dans le paroisse. Je crois qu'il te faut une délivrance. Bah, c'est plutôt toi qui as besoin d'une délivrance. Tu as vraiment besoin de la prière. D'ailleurs, tu dois commencer à te promener avec ça. Hein? Tu en as besoin. Parce que c'est à tout moment, comme une femme, c'est pas bien pour un homme de parler comme ça. Oui, c'est des mauvais esprits qui te font parler comme ça. Tu n'es pas du tout normal. Sinon, tu n'allais pas tenir de tels propos. Maria. Voilà. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me bloques? Qu'est-ce la qu'il route? Y a? Hey! S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, hein? Depuis que je t'ai supplié pour cette chose avant que je parte de Lagos, et maintenant que je suis de retour à Lagos, tu ne veux pas toujours me la donner. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Écoute, tu dois me la chanter. Hey! Chi! Jésus! Que la Vierge Marie ait pitié de toi. Jésus-Christ est mort sur la croix, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rose, accorde-moi ça, non? Hein? Je te jure devant Dieu, je ne peux pas tenir, je ne peux pas résister face à cette chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ne veux-tu me donner cette chose? T'es donné quoi? Ne peux-tu pas partager ce qu'il y a sur ton corps? Veux-tu commettre une atrocité? Quelle atrocité? Nous la commettons, nous deux. Hein? Tu vas profiter de ça. Moi aussi, je vais profiter de ça. Nous allons tous profiter de ça. Ne fais pas ça. Je sais que tu aimes je ça. Je n'aime... Calme-toi. Seigneur Jésus, ne le fais pas. Ne fais pas quoi? Je suis membre de Mébélic. Je suis membre de Jeûne. Je suis membre de la Ligue religieuse de Marie. Hein? Je surveille aussi la grotte. Alors ne le refais plus jamais, oh. Ne fais pas quoi? Attends que nous... Calme-toi. Mais arrête de calme-toi. Faire ça, non? Attends que nous fassions. Allez, viens. Non. Allez-y, viens. Arrête de faire ça. Hey! Esther, je t'ai mise au monde. Toi, si tu dois mettre au monde une autre personne,
J'ai chaud sur ma tombe que tu n'iras jamais dans ce séminaire sans le consentement de tes parents. Écoute, ma femme, elle ne mourra pas. Hein? C'est moi son père. Mais je ne vois aucun mal pour que Esther devienne une révérende sœur. Je ne vois aucun mal. Le problème qui est là, c'est de signer ses formulaires et avoir la bénédiction de sa mère. C'est vrai? Essaye de t'écouter. Non, écoute-toi très bien. Toutefois, je ne suis pas surprise. Je sais que c'est toi qui l'encourages à devenir une sœur religieuse. Mais t'inquiète. Cette folie de devenir une sœur religieuse, hein, doit prendre fin dans cette maison aujourd'hui. Ça doit prendre fin. Qu'est-ce que c'est ça? Quel moustique vous a piqué? C'est quelle bêtise? Comment est-ce que je peux enfanter une belle fille comme Esther? Très jolie. Une foule option. Pour qu'elle finisse par devenir une sœur religieuse. Ça veut dire quoi ça? Que Dieu m'en épargne. Maman, s'il te plaît. C'est un appel auquel je dois répondre. Tout ce que je demande, c'est que vous signez ces formulaires pour moi. J'ai besoin de votre bénédiction étant commère, s'il te plaît. N'importe quoi. Tu n'as pas honte, hein? Et où? D'ailleurs, qui t'a dit que Dieu t'a appelé? Hein? Qui t'a dit que Dieu t'a appelé? Il ne l'a pas fait. Toi, Esther, tu t'es appelé toi-même. Parce que s'il l'avait fait, hein, il devait premièrement m'apparaître étant ta mère. Elle dit que Dieu l'a appelée. Tu cherches ma bénédiction? Maintenant, écoute-moi bien. La seule chose que je signerai, c'est ton certificat de mariage. Et c'est la seule cérémonie pendant laquelle je te donnerai ma bénédiction. Hormis ça, je ne signerai pas d'autres documents. Maintenant, tu dois réfléchir. Cette folie de devenir une sœur religieuse, enlève ça dans ta tête. Dans ta mémoire, bien sûr. Parce que tu ne deviendras jamais une sœur religieuse. Enlève cette folie. Tu m'as bien saisi. Ne me cherche pas. Mouam. Est-ce à moi? Ça ne sera pas possible. Jamais possible. Désolée, ma fille. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Elle doit les signer. Tu sais comment ta mère t'aime. Après tout, elle a que toi comme une fille unique et une grande fille ici dans la maison. Alors, ce n'est pas assez facile pour qu'elle te laisse partir. Ça suffit, ça suffit. Calme-toi. Elle doit les signer. Ne t'en fais pas. Ça suffit. Puis-je te poser une question? Oui, vas-y. Nous sommes tellement proches depuis notre enfance. Ah, comment ça? Nous avons rejoint la congrégation de Marie ensemble. Nous avons rejoint les religieuses ensemble. Même la Ligue de Marie ensemble. Dans ce cas, je peux simplement dire que je suis ta meilleure amie. Alors, j'ai toujours observé. Je sais que tu as des sentiments pour le séminariste Steven. Yeah, quoi? Tu n'as rien à me cacher parce que je sais de quoi je parle. Alors, ma question est celle-ci. Tu veux vraiment devenir une sœur religieuse? Oui. Es-tu sûre de vouloir devenir une sœur religieuse? Bien sûr que oui, j'en suis certaine. Vraiment, vraiment sûre. Je suis sûre. Ma Esther, je sais pourquoi je te le demande. Tu veux être une sœur religieuse parce que tu es vraiment sûre et tu sais que tu es vraiment forte et attachée à Dieu? Ou tu veux devenir une sœur religieuse parce que tu veux simplement être proche du révérend Steven? Quand bien même il veut devenir le révérend père. Que Dieu m'en épargne. Qui te l'a dit?
Comment tu peux avoir ce genre de pensée? Ce n'est pas par rapport à quoi je suis en train d'imaginer. Esther. Non, mon ami, je sais de quoi je parle. Je sais. C'est ce qui traverse ton esprit. Je sais comment ton corps réagit. Et même là-bas. Ça brûle. Reste tranquille, ce n'est que moi qui suis au courant. Tu pensais me cacher quelque chose? Hein, je connais tout. Je sais voir quand tu es vraiment contente lorsqu'il revient dans le séminaire. Je sais comment tu te sens, juste lorsque tu le vois. Et je sais aussi comment tu t'empresses pour aller chez lui sans être invité. N'est-ce pas? Si tu veux, vous le ferez? Je sais, je connais tout. Tu n'as pas encore mangé, mais je sais que tu mangeras un jour. Je me couvre par le sang de Jésus. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais servir Dieu. Je vais être une sœur religieuse. Je vais servir la Sainte Marie, peu importe le problème. Vraiment? Je vais le servir dans l'obéissance et dans la chasteté, dans la pauvreté, dans la piété et de tout ce qui va avec. C'est pour ça que je suis appelée à servir Dieu. D'accord. Oui. Hey, mon ami, tu m'as vraiment prise au sérieux. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas servir Dieu, mais tu dois aussi te rappeler que être sœur religieuse, c'est difficile. Toi et moi savons que ce n'est pas facile. Tu me donnes l'impression de ne pas être appelée pour ça. Bien sûr que je connais cela, mais tu dois être choisie. Je suis choisie. Ok, tu as été choisie. Je me souviendrai de toi dans tes prières, dans mes prières. Comment tu as raisonné comme une amie? Je dois t'accompagner maintenant parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Le programme de prière, des midis et tout ce qui a trait au ménage. Je dois me dépêcher. L'un après l'autre. Tu veux le finir directement? Tu as déjà commencé avec l'un. Ça là, à moins que ma mère change d'avis. Ma chérie Esther. La servante du Dieu vivant. Mon ami, nous n'avons pas de choix. Oh. D'accord. C'est la voie que nous avons choisi de suivre. Esther, ma chérie. Esther, vais servir ma maman Marie. Esther. Oui, maman. Hey! Je pense que je t'avais interdit de mettre ces genres de vêtements. Hein? Quand est-ce que tu vas arrêter? Esther, tu es une très jolie fille. Avec une peau fraîche. Regarde ta peau. Elle est très fraîche. Et très belle. Hein? Regarde-moi ta maman. Poitrine. Maman, quoi? Hein? Regarde tes derrière, c'est très beau. Pourquoi tu mets les vêtements d'Amaka pour couvrir ton corps? Et ça, ma fille, pourquoi? Hein? Enlève-moi ces vêtements de Marie Amaka. Je n'ai même pas honte, toi. Qu'est-ce que c'est? Esther, tu as besoin d'un homme qui va mettre ton corps en valeur. Maman, peu importe, tu peux le dire comme tu veux. Maman, je ne suis pas du tout à avoir une quelconque relation amoureuse. Regarde-moi. N'est-ce pas que je suis bien habillée? Ces habits me mettent en valeur. Hein? Je suis la fille de la Sainte Marie et je sers dans la maison du Seigneur. Je dois m'habiller d'une façon décente puisque je suis servante de Dieu et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc la Sainte Marie t'a dit de mettre un vêtement qui cache tout comme ça? Hein, dis-moi. Ne peux-tu pas mettre un truc qui met en valeur ta poitrine? Hein? Tu es en train d'exagérer. Ce n'est pas normal, ma fille. Hey, Esther, ma fille, jusqu'à quand allons-nous continuer ainsi? Jusqu'à quand, Esther? Tu négliges tes potentialités. Regarde, tu as les yeux sexy. Tu as des petites lèvres qui sont très lisses. Hey. C'est vraiment unique. Maman, arrête de m'essuyer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh. Hein? Penses-tu que Dieu est fou pour avoir créé tout ceci? Hein? Quelqu'un doit utiliser tout ça.
en votant pour que quelqu'un entre et vienne découvrir toutes ses qualités. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es ma première fille. Hein? Essaie de comprendre les choses. T'es pas une petite fille. Tu dois faire une mise au point. Mbano, je ne te permettrai pas de continuer ainsi. Écoute, j'irai au marché. Je t'achèterai de très beaux vêtements. Ce qui mettra ta poitrine en valeur. Et aussi ta peau. C'est ce que tu dois mettre. Tu dois comprendre certaines choses. Tu dois mettre ton corps en valeur. Et ça, écoute-moi très bien. Je suis ta mère. Oh. Allez, vas-y, lève-toi vite. Suis-moi vite. Je n'ai pas le temps à perdre. Allez, viens vite. Maman, je ne vais pas, Rose. Esther, vas-y, entre vite. Maman. Tu fais la tête du test? Maman, Esther, viens à l'intérieur. Maman, maman, arrête. Esther, maman. Maman, je ne peux pas, laisse-moi. Ok, attends alors. Esther, maman, laisse-moi. Oh, porte, maman. Mais... Allez, Esther, maman. Allons vite. Esther, tu veux m'importuner? Hein? Esther, maman, tu parles avec maman, moi. Maman, maman, laisse-moi. Maman, laisse-moi. Maman, tu vas faire tomber. Esther, maman. Hein? Maman, laisse-moi, maman, tu m'as fait tomber, tu me fais mal au pied. Maman, hein? Maman, laisse-moi, non, tu me fais mal au pied. Qu'est-ce que tu vas pas encore? Arrête. Esther. Rien du tout. On avait une conversation entre mère et fille. Esther, ma fille. Maman, laisse-moi, je ne veux pas. Mais je vois, Esther n'a pas l'humeur de la conversation. Laisse-la vivre sa vie qu'elle a choisi de vivre. Laisse-la. Écoute-moi bien. As-tu fini? Je ne le ferai pas. Je ne la laisserai pas. Jusqu'à ce qu'elle commencera à vivre comme une fille. Une fille qui a de bonnes propositions pour sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce qu'elle continuera à couvrir son corps avec tous ses vêtements? Jusqu'à quand, Esther? Hein? Et que je te laisse? Je ne te laisserai pas. Je reviens. Maman. Maman, tu dois arrêter ça. Elle ne veut pas du tout me laisser faire. Regarde ça. Hey, Esther, regarde un peu ça. Maman, je ne le vois pas. Je ne veux pas le voir. Tu le vois. Esther, tu le vois. Ça, on appelle ça chant de bébé. Hey! Ma fille chérie, regarde bien. C'est très joli. Ça va t'aller. Oh mon Dieu. Esther, tu as vu ces vêtements? Lorsque tu les mettras, ta bouche sera remplie de témoignages. Regarde ça. Hey, je suis ta mère et je connais ce qui est bon pour toi, oh, ma fille. Hey, oh. Hey, ma fille. Regarde ça. Hey, il y a du feu sous la montagne. Regarde. Et pour ça, je devais discuter pour ça. Avec le fils de ton âge. Écoute-moi très bien, ma fille. Je l'ai eu. Elles sont blagues avec moi. Lorsque j'ai eu ça, bien quand j'ai payé directement. Parce que j'en voulais. Regarde ça. Avec ça, toutes choses passeront. Hey. Et tout deviendra nouveau. Ça, c'est un vrai deal. Regarde ça, ma fille. C'est un vrai deal. Regarde. Si tu mets ça, hein, tu sais que tu as une grosse poitrine, comme moi. Avec ça, ton teint d'ici. Pia! Peu importe. Esther, lorsque tu les mettras, hein, tu vas me remercier pour le reste de ta vie. Tu commenceras à dire, maman, merci beaucoup. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie. Ça, c'est un vrai deal. Laisse-moi te dire que tu es chanceuse. Tu l'es réellement. Je n'allais pas prendre ça, oh.
Je devais repousser plusieurs pour l'avoir. Personne d'autre. Ah, tu es chanceuse comme ta mère. Hein? C'est une femme heureuse. Hein? Hein, Luna, bébé. Une maman dans le temps, ma fille. Je te dis. Voilà pourquoi tu dois mettre cette robe. Mais moi, à mon âge, si je m'habille bien, ton père ici me regarde. Oh. Tu vois comment il est fait, non? Parce que je suis sexy. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? C'est la vérité! Quitte-la! Écoute-moi. Rappelle-toi que je ne t'avais pas forcé de m'épouser. Non plus tes parents. Papa, t'inquiète. T'inquiète. Et qu'est-ce que tu veux dire, toi? Maman, écoute. Même si tu me braquais une arme à la tête, je ne mettrai pas ces habits sur moi. Mon corps est permanemment des temples du Saint-Esprit. En aucun cas, je mettrai ces histoires sur moi pour essayer d'attirer un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Esta, t'es-je bien entendu? Où est le temple de Dieu? Mon corps, maman. Ton corps? Hein? Tu ne veux pas d'un homme? T'en veux pas? Maman, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Esta, ne m'énerve pas. Ne me pousse pas à aller vers ces dieux. C'est lui que j'aime et respecte énormément. Je refuse des problèmes, oh. C'est quelle bêtise, ça? Si tu oses encore cette bêtise, tu vas me sentir. Qu'est-ce qui te prend? Ne m'énerve pas. Ne cherche pas ce que j'aille voir ces dieux. Tu n'as qu'à faire gaffe, je te dis, oh. Tu n'as qu'à faire gaffe, je te dis. Parce que Dieu sait que je l'aime et le respecte énormément. Hein? Tu veux seulement me pousser jusqu'au point de m'énerver. Es-tu stupide? Hein? Veux-tu devenir une sœur religieuse? Esta, c'est quoi ton problème? Tu veux devenir une sœur? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Esta? Hein? Penses-tu que Dieu est fou? Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Penses-tu qu'il est fou? Il a créé cette beauté en vain? C'est ce que tu penses vraiment? Tu veux devenir une sœur religieuse? Quelle sœur religieuse? Maintenant, écoute-moi bien. Tu ferais mieux de supprimer cette idée de devenir une sœur. Si seulement je l'entends encore, je te dis, je te ferai du mal. Cette idée de devenir une sœur religieuse, hein? Tu dois l'enlever dans ta tête, je te dis. Dans ta mémoire. Tu veux devenir une sœur religieuse? C'est quelle bêtise? J'étais enfantée, Esta. Toi, sur ton tour, tu dois le faire. Tu es obligée. Ah, c'est quoi ça? Ok. C'est quoi avec ok, non? C'est quoi avec ok? Laisse-la tranquille, non? Parce que tu es content. C'est vraiment ce que tu veux. Mais que je le veuille ou pas, Esta. Tu ne deviendras pas une sœur religieuse. Je le jure sur ma poitrine. Tu ne deviendras pas une sœur religieuse. Et je te donne juste 2 mois. 2 mois pour te trouver un bon homme. Cherche-le. Suzanne. Même Dieu du ciel n'est pas du tout content de ce que tu dis à cette fille. Il n'est pas du tout content. Laisse Esther desservir son Dieu de la manière qu'elle a choisie. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Esther servira son Dieu comme elle veut. Je ne l'ai pas interdit de le faire. Écoute, tu vas servir ton Dieu. D'ailleurs, je sers aussi mon Dieu. N'est-ce pas que je le fais? Hein? N'est-ce pas que je le fais? Tu serviras ton Dieu chez ton homme. Dans la maison de ton homme. Toute femme a besoin d'un homme. M'as-tu compris? Tu dois avoir un homme. Tu serviras Dieu chez ton mari. Tu as bien compris? 2 mois. 2 mois pour trouver cet homme. Tu m'as très bien saisi. Allez, tiens. Le voyage vient de commencer. Va trouver cet homme. Tu m'as compris.
qu'est-ce que ces rêves peuvent signifier. Reste quelques mois pour être ordonné comme diacre. Et je continue à rêver cette fille en tant que ma femme. La première fois quand je rêvais, elle était dans ma maison. Elle portait mon bébé. Et on était là en train de s'amuser. Voilà, ça s'est répété. On est entré encore à jouer avec notre bébé. Qu'est-ce que vraiment ce rêve peut être signifié? Est-ce que ça peut être une révélation? Ma femme, éducatrice, mais comment tu veux partir sans me signaler? Je sais ce que tu veux. Je ne te donne pas. Tu vois pas que je suis en retard? Je pars déjà dans ma réunion. Mais tu dois bien arranger ta maison avant de quitter. Bache, il fait très chaud. Lorsque je veux revenir... Écoute-moi bien, ma femme. Tu dois d'abord me les donner. Arrête. Tu es si belle pour moi, ma femme. Arrête. Maman, je sais que tu as toujours voulu le meilleur pour moi. Je sais que tu m'aimes pour de vrai. Étant ma mère. Je sais que tu t'es toujours vue en moi. Et que tu veux que je sois réellement comme toi. Maman, je ne saurais pas. Et je suis désolée de te désobéir, de ne pas faire ce que tu m'as demandé. Et par rapport à notre conversation de la fois dernière, je sais que tu veux que je me marie pour enfin avoir des enfants. Je sais que tu aimerais bien m'entretenir après la maternité. Je sais aussi que tu veux bien porter mes enfants qui seront tes petits-enfants. Mais s'il te plaît, maman, permets-moi de faire ce que Dieu me demande. Je veux servir Dieu comme une servante. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, pardon. J'ai besoin de ta bénédiction étant comme ma mère. Maman, peux-tu signer ces formulaires pour moi, s'il te plaît? S'il te plaît, maman. Papa, s'il te plaît, maman, pour moi. Ne pleure pas, ma fille, c'est fini, ne pleure pas. C'est d'en parler avec pardon. Maria, 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 Ma
Ma maman, Maria, Dinso. Sainte Marie. S'il te plaît. S'il te plaît. Aie pitié de moi. Aide-moi. S'il te plaît. Tu es une mère comme moi. S'il te plaît, aide-moi à supplier ton fils. Parle-lui. Comme une mère peut parler à son fils. S'il te plaît. Je ne veux pas que ma fille le serve comme une sœur religieuse. Sainte Marie, s'il te plaît. Laisse-la te servir autrement. Mais définitivement pas comme une sœur religieuse, s'il te plaît. Aie pitié de moi, Sainte Marie. Je t'en prie. Wanyo Bioma. Wanyo Filonania. Intercède pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'ai déjà prête pour aller dans ma réunion. S'il te plaît. Ne brise pas mon cœur. Je t'en prie. Sainte Marie. S'il te plaît. Rappelle-toi des Écritures. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 10. Hey! Je sais que mes ennemis sont en train de travailler. Ils cherchent à distraire ma fille Esther pour devenir une sœur religieuse. Hein? Je sais. Je sais une chose. Tu t'en chargeras de cette personne. Tu vas me justifier. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Seigneur, regarde ta parole qui dit dans Jérémie 1, le verset 10. Tu nous as donné le pouvoir d'arracher et d'abattre. Moi, ta fille est la fille de Sion. Je viens maintenant. Je viens arracher ma fille partout où elle est captivée. Tout esprit démoniaque qui la captive. Au nom puissant de Jésus, sors! Reçois! 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 Allez, sors! Sors de ce corps! Sors! Lâche son corps! Lâche le corps de ma fille! Esther! Esther, tu es libre! Au nom de Jésus! Sors! Sors! Au nom de Jésus, je te libère! Sois libéré! Sois libéré! Au nom de Jésus, reçois! Reçois le feu du Saint-Esprit! Au nom de Jésus, je libère ma fille! Je libère ma fille à cet instant! Sors! Lâche! Lâche le corps de ma fille! Sors! Sors au nom de Jésus! Sors! Sors! Sois libéré! Sors! Sois libéré! Sors! Le feu du Saint-Esprit! Jésus! Jésus! Oh! Sois libéré! Merci Seigneur! Seigneur, merci! Tu es libre, Issa! Tu es libre, ma fille! Arrête de pleurer! C'est ta délivrance! Ça, ce n'est pas la première non plus, la deuxième, mais la troisième fois de faire ses rêves. Mais que peut signifier ces rêves? Je rêve souvent Esther en tant que ma femme. Dans tous ses rêves. En plus, elle a déjà donné naissance à un enfant. Et dans ses rêves, cet enfant est déjà grand. Et tous ont joué dans un jardin comme époux et épouse. Vraiment, les rêves étaient réels. Et j'étais comme très heureux et je me réjouissais de moi-même. Quand je m'étais réveillé, j'ai beaucoup prié à mon Dieu de me faire connaître s'il veut que je le serve en tant que prêtre. Mon fils, tu dois vraiment prier encore plus et chercher la dévotion de ton cœur. La première question que je veux que tu te poses est celle-ci. Suis-je réellement appelé par Dieu pour être prêtre? Ou ai-je besoin de devenir un prêtre juste pour rendre heureuse ma mère et faire en sorte que le rêve de devenir père de ma mère se réalise? Et une fois que tu auras les réponses à ces questions, alors là, reviens-moi et dis-moi que tu veux toujours devenir un prêtre.
bien en tant que père, peu importe la décision que tu prendras, sache que c'est celle que je soutiendrai. Je te le promets. Merci, papa. Merci. I love you so much. I have feelings for you. If you leave me, I go die. I have to be lost to you. I love you so much. I have feelings for you. If you leave me, I go die. I have to be lost to you. I love you so much. I have feelings for you. I just want to be with you. I have to be lost to you. My heart to be lost to you. My soul belongs to you. God will secret your love. Just open up to him. Tell him that you love him. Okay, bukwa no gaka. Secret your love. You are dying in silence. Open up to him. Tell him that you love him. Oh, oh. I love him so much. I have feelings for you. If you leave me, I go die. I have to be lost to you. I love you so much. I have feelings for you. If you leave me, I go die. I have to be lost to you. I love you so much. I have feelings for you. I just want to be with you. I have to be lost to you. Oh, le papa de Steve? Le papa de monsieur l'abbé? Hein? Je t'appelais depuis. Peu importe. Je voulais t'informer que j'irai au village demain matin. Je dois leur informer, je parle des anciens du village et les autres membres du village, que l'ordination de mon fils est pour bientôt. Est-ce si tôt que ça? C'est tôt, comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas tôt. C'est pas du tout tôt. Tu dois informer les membres du cabinet. Ils doivent déjà s'apprêter. Quand je parle d'apprêter, je veux dire rassembler un peu d'argent pour lui acheter une voiture. Et quand je parle des voitures, je ne fais pas allusion à cet tas de ferraille que tu nettoies. Je parle d'une vraie voiture. Ton fils, le prêtre, doit être honoré. Tu es son père, tu dois bien le savoir. Hein? Attends, Mary. Le prêtre, il doit être honoré. Mary. Hein? C'est quand même toujours tôt pour tout ceci. Je crois vraiment que tu devrais te concentrer sur ce qui est requis d'un prêtre et non que ma famille puisse lui acheter une voiture. C'est quoi ton problème? Pourquoi ne fais-tu pas être appelé le papa du prêtre? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'en est pas un. Il n'en est pas encore un. Et qu'est-ce qu'il est? Alors arrête de le traiter comme s'il en est un. Et après quoi? Comme s'il en était un. Ou tu le ferais expulser du séminaire, hey, à cause de ta soi-disant longue et bruyante langue. Jamais de la vie. Mon fils ne sera pas chassé du séminaire. Ça ne se passera jamais. Tu me comprends? Peu importe, je partirai demain. Après ton village, j'irai dans mon village. Je dois les informer. Quant à ces derniers, je ne me dérange pas. Parce que je sais qu'ils sont déjà en train de s'apprêter. Je connais ma famille. Je sais que ce qu'ils préparent sera grandiose plus que ce que ta famille apprête. Parce que je sais qu'ils aiment leur fils. Hein? Et apprends à t'adresser à ton fils en l'appelant mon père, révérend père, Steve. Tu m'as entendu? Très bien, alors. S'il te plaît, informe le membre du cabinet du roi. Je vais m'adresser à eux quand le moment viendra. Hé, hey, c'est maintenant le moment. Les temps n'attendent personne. Au cas où tu l'auras oublié, les temps n'attendent personne. Moi, je commence déjà à informer ma famille. Je ne veux pas de surprises désagréables. Maman, je vais voir mon papa. Maman, je veux que mon fils devienne révérend père. Maman, non. Ah. Esther, laisse-moi te mettre le médicament, s'il te plaît. Hey. Ah, ah, non,
Non, je suis fatiguée, oh. Viens t'occuper d'elle. Éducatrice. Je pense que ça, ce n'est pas le bon moment pour qu'elle soit blâmée. Mais c'est un moment opportun de trouver solution à ce problème. D'ailleurs, elle a un rendez-vous demain avec le docteur ophtalmologue à Calaba. La question est seule de savoir comment elle va arriver à Calaba. Naï, j'ai fait tous les arrangements nécessaires. Nous partons demain. Je peux pas voir cet œil se dégrader. Hein? À chaque minute, elle a des complications, je comprends pas. Enlève la main. Hein? De plus en plus, elle touche son œil, ça se dégrade toujours. Hein? Au cas contraire, ce sont des larmes qui coulent. Ma fille, papa, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oui, papa. C'est fini. Le seul problème qui me reste est que le larme ne cesse de couler de mon œil, papa. Ça coule abondamment. C'est fini. Si ça coule, c'est parce que tu ne cesses de t'éclater. D'ailleurs, tu iras demain à Calaba avec ta mère. Tout ira bien. Ne t'inquiète d'accord, pas, ma papa. Fille. Mmh, papa. Sois calme. Ne t'écrate pas, enlève ta main. Désolée. Merci, maman. Hey, mon voyage était fantastique. Hein? Ça s'est très bien passé. Ma famille était très contente avec la nouvelle de l'ordination de mon fils. Steve a déjà sa place au paradis. Mmh. Nous attendons juste parce que certaines personnes n'ont pas des yeux spirituels. Donc, nous attendons que cela se manifeste dans la vraie vie. Oh. Bienvenue. Merci. Bienvenue à la maison. Merci. Bien, nous remercions Dieu pour le voyage. Oui, oh. J'aimerais également remercier Dieu pour la force avec laquelle il nous a bénis. Qu'est-ce c'est que ça. Je serais devenu sans toi concernant cette ordination? Rien du tout. Tu sais que tu ne peux rien faire sans moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mmh. Tu le sais bien. Mais à propos, je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux dire, comment est-ce que mon fils peut repartir sans que tu ne puisses pardon, m'informer? Pardon, désolé. S'il te plaît, excuse-moi. Tu sais, il revenait juste à peine d'une messe matinale et a rassemblé ses affaires. Et m'a dit qu'il était en train de partir, juste comme ça. Mmh. Exact. Te dérange pas. Nous irons lui rendre visite. Hein? Visiter comment? Tu viens juste à peine du village et voilà que tu veux aller rendre visite à Steve qui vient à peine de partir. Ma chère femme, tu as un mari. Et tu as des enfants. Accorde-leur au moins un peu d'attention. Bien, Ikem. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est la jalousie? Est-ce la jalousie? Ou soit c'est le diable qui parle en toi? Qu'importe ce que c'est, demande l'air de libérer ton corps. J'espère que tu n'as pas envie que je t'asperge avec de l'huile d'olive pour te délivrer. Mais qu'est-ce que tu essaies de raconter? S'il te plaît, je t'en prie, de grâce. Écoute, mon fils Steve est très spécial. Donc je n'arrêterai pas de lui prêter attention. Que tu le veuilles ou pas, juste arrête d'être jaloux et demande au Saint-Esprit de purifier ton système pour que tu puisses enfin t'aimer. Comment puis-je être jaloux de mon propre fils? Non! Ce que j'essaie de dire, c'est que tu devrais aussi accorder un peu d'attention à d'autres enfants. De la même manière dont tu l'as fait avec Stephen. Tu l'as déjà sacrifié à Dieu. Permets-le au moins d'être concentré. Oh. Au lieu de ça, tu es toujours là à lui rendre de visite, à le distraire, à le surcharger toujours, l'entourer toujours à chaque instant. Écoute, tous nos autres enfants peuvent ne pas être contents de la manière dont tu les traites tous. Tous nos autres fils peuvent ne pas être contents de la manière dont tu le traites lui. Hein? À chaque fois où Steve revient, tu te mets là à cuisiner des poulets et tous ces autres plats de riz que je ne connais même pas. Et une fois qu'il part, tu recommences à préparer toutes ces gori, je sais tu pas. Tu vois, je le disais. Hein? Tu viens de nier que tu n'es pas jaloux et pourtant tu l'es. Yeah. Dis-moi, pourquoi je ne cuisinerai pas le poulet? Il y a une différence entre le poulet qu'on achète au supermarché et celle qu'on élève. Il y a une très grande différence. Oui, je le cuisine pour lui. Parce que mon fils est proche de Dieu. Un prêtre oh. juste à quelques mètres de Dieu. Les autres personnes auxquelles tu fais allusion sont juste des enfants normaux. Ok? Il est hors de question que je cuisine du gori-gori pour Steven. Jamais de la vie. Je continuerai à cuisiner du poulet et de la viande pour Steven, que tu le veuilles ou pas.
Donc tu veux que je cousine du gorigori pour lui? Oh non, c'est pas possible. Hein? Je t'en prie, mon cher, parlons plutôt d'autre chose. Et attends que Percé à toi d'expliquer la situation à tes autres enfants, pour qu'ils puissent enfin comprendre. En tant que mère, traite tes enfants équitablement. Ils proviennent tous de Dieu. Écoute, aucun de mes enfants ne sera supérieur à l'autre, que ce soit un prêtre ou non. Et cela devrait être gravé dans ta tête. Je crois que ça doit d'abord commencer chez toi, avant que ça ne vienne chez moi. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je t'en prie, fiche-moi la paix. Sans tous, laisse-moi m'occuper du père Steve comme je le veux. Tu m'as entendu? S'il te plaît, ne dis rien de mal à propos de cet enfant. C'est lui qui va ramener la lumière dans cette famille. Qui te connaît? Sois réaliste. Non, non, qui te connaît? Dis-moi, qu'as-tu déjà réalisé? Hein? Christo Santos, qu'as-tu déjà réalisé? Tu étais parti à Ijelaya. Qu'as-tu ramené? Dis-moi. Tu t'es rentré mais vide? Rien du tout. Mais ton fils est en train de ramener la lumière dans cette famille. Et tu es là en train de raconter de bêtises. Je vais continuer à les traiter comme un enfant spécial, parce qu'ils le méritent. Ce n'est pas grave. Pas de problème, oui. Tu essaies de me faire la morale. Est-ce que quand je t'ai conseillé, tu m'écoutais? Tu t'es entêté pour partir en voyage et revenir main vide. Quand je t'ai demandé d'aller chercher un travail ou faire quelque chose de ta vie, tu me disais que tu avais mal au dos. Et pourtant, tu t'étais blessé depuis 1900. Mais quand tu courais derrière la femme, tu n'avais plus mal, la douleur avait disparu. Et tu ne sentais qu'avec celles qui ont de gros postérieurs. C'est pour ça que tu ne fais rien. Tu n'arrives plus à rien faire, tu es foutu. Ah ah. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es venu faire à la maison? Où est ta soutane? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes de la sorte? Y a-t-il un problème? Écoute, tu peux tout me dire, je suis ta mère. Hein? As-tu été renvoyé du séminaire? Je t'en prie, dis quelque chose, parle-moi. Écoute, tu peux juste te confier à ta mère. Tu sais combien je t'aime, hein, mon révérend père, monsieur l'abbé, hein, mon fils qui est proche de Dieu. Je n'ai pas l'envie d'être prêtre. Ça ne m'intéresse plus. J'ai abandonné le séminaire. Hein? Hey, mon fils, regarde. Regarde ce que j'avais acheté pour toi. Oui, j'avais gardé ça uniquement pour toi. Regarde, c'est très beau. Ça va aller. Ça va t'aller. Regarde. Oui, essaye. Essaye-le. Oh, c'est bien. Esther, ma fille. Papa. Tu iras et rentrer bien guéri au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal qui arrivera à tes yeux. Amen. J'ai prié à Dieu Tout-Puissant que tu serves de te bénir afin que tu deviennes une personne dont tu veux. Amen. Amen. Afin que le diable n'arrive pas à atteindre ta vie. Amen. Je t'ai béni et prie que Dieu puisse te faire une grâce. Amen. Ma fille, il n'y a rien à craindre. Naï, maman reviendra la nuit. Mais s'il ne rentre pas, s'il te plaît, pense de prendre tes médicaments tout seul. Pas de problème. Nous allons bientôt revenir. C'est bien, ma chérie. D'accord. Ma fille, papa. Bonne allée. Bye bye. À plus tard. Allons-y, oh. Descends, doucement.
Au revoir, ma femme. Allons-y. Christos Santos, viens qu'on fasse la prière rapidement. Santos, où es-tu? Oh mon Dieu, qui est-ce? Entrez. Entrez. Ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es venu faire à la maison? Où est ta soutane? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes de la sorte? Y a-t-il un problème? Écoute, tu peux tout me dire, je suis ta mère. Hein? As-tu été renvoyé du séminaire? Je t'en prie, dis quelque chose, parle-moi. Hein? Un problème partagé est à moitié résolu. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, mon garçon. Si c'est quelque chose qui a un trait avec l'argent, je ferai n'importe quoi. J'irai même décrocher la lune pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? As-tu été renvoyé? Parlez-moi! Qu'est-ce qu'il faut? L'argent ne peut rien résoudre. Ce n'est pas non plus un problème que vous deux peuvent résoudre. Mon fils, tu sais que tu peux me dire quel est le problème exactement? Ou veux-tu que je demande à ta mère de nous excuser? Je peux lui dire cela. J'ai été porté pendant 9 mois dans le ventre. Je sais qu'il y a une connexion physique. Je sais que tu peux tout me dire, mon fils. Ton père peut partir. Écoute, tu peux juste te confier à ta mère. Tu sais combien je t'aime, hein, mon révérend père, monsieur l'abbé, hein, mon fils qui est proche de Dieu. Je n'ai pas l'envie d'être prêtre. Ça ne m'intéresse plus. J'ai abandonné le séminaire. Hein? Hey, mon fils, regarde ce que j'avais acheté pour toi. Oui, j'avais gardé ça uniquement pour toi. Regarde, c'est très beau. Ça va t'aller. Regarde, oui, essaye-le. Maman, ceci ne va rien résoudre. Attends, hein? Je ne suis pas appelé pour être prêtre. Cela a été révélé à moi cette fois, ok? Écoute, je vais servir Dieu, mais pas comme un prêtre. Mon fils, écoute. J'ai mis fin à cela. J'ai tout laissé. Voilà pourquoi j'ai abandonné le séminaire. Non, tu ne peux pas abandonner. Maman, pardon, je vous ai tout dit. Je ne veux plus être prêtre. C'est beau, mon fils. Regarde ce que j'avais acheté pour toi. Viens. Oh! Hein? Mais oui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Qui est-il? Sa tension est vraiment haute. Elle est d'ailleurs chanceuse de ne pas avoir fait un arrêt cardiaque jusque maintenant. Tu dois lui donner ses injections. Et ça? Que tu le mettes ensemble. Et rassure-toi de vérifier sa tension. Messieurs, s'il vous plaît. Elle a vraiment besoin d'un bon repos. Et s'il vous plaît, permettons-lui de se reposer. Nous pouvons sortir. D'accord. Merci infiniment. Je vous remercie. Thank you.
Chai, tout a soudainement changé. Je dois prier. Hey. Seigneur Jésus, c'est toi le lion de la tribu du Judas. C'est en toi que je me confie. Protège mon fils. Combat, combat, Seigneur. Envoie cet ange, très particulièrement, cet ange qui a un nom un peu compliqué, j'oublie souvent, Michael, oui. Michael est un guerrier pour qu'il détruise, qu'il vienne anéantir tout le démon qui s'attaque à mon fils et qui lui font changer d'avis. Ah! Écoute. Steven, mon fils, tu n'as pas du tout à te sentir coupable. Hein? Tu n'es pas la cause de la situation de ta mère. Toute ta vie, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour faire plaisir à ta chère mère. Mais je peux voir maintenant que tu veux lui faire connaître qui tu es et ce que tu veux réellement dans ta vie. Écoute, je suis ton père, et en tant que ton père, je préférerais que tu ne sois pas un prêtre. Plutôt qu'être un prêtre qui va porter la honte et la disgrâce, pas seulement que devant Dieu et devant l'Église catholique, mais devant la famille tout entière. Écoute-moi, mon fils. Ceci est le moment de prier, et c'est le moment d'être fort. Tu saisis? Merci, papa. Je ne peux jamais accepter laisser maman mourir. Hey, voyons, voyons. Tu n'as pas laissé tomber Dieu. C'est la chose la plus importante. Hein? Alors, essuie tes larmes. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ce regret. Tu dois avancer. Hein? Sois fort. Sois fort. Ça va aller. Hein? Tu es un homme bon, mon fils. Le diable ne réussira pas à t'avoir. Tu appartiens à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais oui, ça va aller. Toutes tes prières ont été exaucées. Hein? Le docteur a dit que tu dois te reposer. Hein? Voyons, tu étais vraiment tout près de la mort. Oui. Tu dois te reposer. Oh. Excusez-moi, messieurs. Je pense que le docteur vous a demandé de lui attendre dehors. Hein? Mais elle ne pas déranger. On voulait juste la voir. Je comprends, messieurs, mais ça, c'est l'instruction du docteur que vous attendiez dehors. Je suis désolé, messieurs, s'il vous plaît. Oh. Ok. C'est ça. Sainte Marie, hein? Je t'en prie, viens à mon secours. Hein? Tu es une mère, juste comme moi. Viens aider mon fils, je t'en prie. Hein? Au nom puissant de Jésus. Elle m'avait dit de te dire quelque chose. C'est que la seule chose qui la rendra heureuse, c'est que tu retournes au séminaire. Je pense que devenir prêtre n'est pas quelque chose à forcer sur quelqu'un. Mais tu dois quand même le considérer. Docteur, ce n'est pas mon rêve de devenir prêtre, pas du tout. Devenir prêtre, ce n'est pas quelque chose tout simplement de faire plaisir à une mère. Ouais. C'est plus que cela. Écoute, j'aime le voix des dieux.
J'aime Dieu et je continuerai à le servir, mais pas comme un prêtre. Je ne suis pas appelé à servir Dieu comme un prêtre. Il doit le savoir et comprendre. C'est ainsi que j'ai abandonné les séminaires. J'ai pris ma décision. Je ne serai jamais un prêtre. Justement, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Mais forcer, ouais. C'est pour que je devienne me détruire, soit devenir un mauvais prêtre. C'est la chose que je ne veux pas. Je comprends ton point de vue. Je te comprends. Alors, c'est un peu ça le problème. Elle doit vraiment le comprendre. Docteur, ce n'est pas la fin du monde. Docteur, il y a un malade qui convulse. Et sa maman aussi est là. Ah, dépêchons-nous. Quoi? Tu connais le fesse? Tu connais de vraies fesses? Oh! Je suis comme une vraie star. Oh! Je suis comme une star. Oh! Je suis comme une star. Oh! Je suis la meilleure. Un instant, jeune fille. Salut. C'est toi? Oui. Hey! Donc, c'est vraiment toi? Tu as grandi et tu es devenue très belle fille. Merci. Et toi? Comment ça va? Je vais bien, merci. Où est Esther? Je suis venu la voir, j'ai appelé autant de fois, elle n'a pas décroché à mes appels. Elle m'a non plus rappelé. Est-ce que tout va bien? Oh, pas vraiment bien, elles ont fait un petit voyage. Pour voir l'ophtalmologue, tu sais, après la consultation, les docteurs avaient demandé de pouvoir revenir pour consulter encore à nouveau. Mais bon, Dieu merci, tout s'est bien passé et ça va maintenant. Il n'y a personne qui me l'a dit et elle ne m'avait pas parlé. C'est la première fois de l'entendre. Ok, oui, je suis sûre qu'elle n'est pas fautive parce qu'elle avait refusé qu'on en parle à quelqu'un avant que tout ça passe. C'est vrai, tu es sérieuse? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Étonnant, c'est toujours bien que le bon Dieu la protège. Et tu went? Oui. Alors, c'est ma première fois de te voir sans la veste que tu portes souvent. C'est tout simplement, tu ne te fais pas voir. Oui, je ne t'ai jamais vu ici et je me pose la question. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas venir à la maison? Tu ne veux pas être comme elle? Non, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est ma maman. Elle est toujours sur mon cou. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas amener ton mari et tes enfants? Elle est toujours là pour m'embêter. Bien. C'est tout à fait normal avec le maman. Elles ont toujours pressé leur fille. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment bien. Bienvenue. Merci. Oui, j'ai appris que tu as été ordonné prêtre. Bien, mais j'ai abandonné. Mais pourquoi? Je ne suis plus au séminaire, j'ai abandonné les séminaires. Mais pourquoi exactement? Je crois... Dieu ne m'a jamais appelé les servir comme prêtre. Alors, j'ai décidé de quitter les séminaires et faire autre chose. Oui, on peut servir Dieu partout. Oh, wow! Oui. C'est bien. S'il te plaît, mets-toi. Ah, merci. Hey. Ok. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit combien tu es beau? Tu sais, souvent les gens m'ont toujours complimenté pour ça. Oh, tu es aussi belle. Merci. Ok, pardon, je dois prendre congé de toi maintenant. Si elle revient, dites-lui, j'étais venu la voir. Ok? C'est quoi? Pas si vite. J'avais déjà prié pour ça. Avoir un homme très mignon et sexy comme toi.
Et te voilà. Et je crois que c'est Dieu qui t'envoie vers moi. Nous sommes à l'extérieur. Non, ça ne peut pas se faire de cette façon. Lâche-moi. C'est impossible. Ne t'inquiète pas. À la prochaine. Allez, viens. À mes appels. Je t'ai appelé depuis le matin. Tu ne décroches pas. Et je suis allée à ta maison. On m'a dit que tu es partie à l'hôpital pour voir Maman Fanny. Oh, ma soeur, je suis désolée pour ça. Nous n'avons pas de quoi. Alors, je vais je comprends. Comment va la maman du prêtre? Par la grâce que tu m'invoques, elle va sortir de l'hôpital. Je prie pour elle. Je prie que le Dieu Tout-Puissant lui donne de la force, qu'il retourne à son service. Tu as raison. Elle va survivre par la grâce de son statut. Mais le problème, c'est ici. Madame Pocahontas, elle s'est proclamée prêtresse. Celle-là, quelqu'un qui prêche est béni derrière les gens. Et dans deux réunions, c'est comme si elle voulait donner la parole. Elle prêche comme un prêtre. Elle prêche et agit comme si elle était prêtre. C'est difficile pour elle d'admettre. Ma prière est que son fils puisse retourner au ciel. C'est aussi ma prière, oh. C'est ça ma prière. Ngozi, allons à ta maison pour que tu me prennes le plaisir. On aura tout vu dans ce village. Ok, c'est ça ma prière. Maman, cela ne t'engage pas. Ça n'engage que moi. C'est ma vie. Et j'ai pris une décision. La prêtrise est sacrée. Faire le vœu de chasteté, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire pour plaire à quelqu'un. Tout simplement parce que tu veux que tu sois la mère d'un père. C'est clair, tu veux que je sois prêtre, mais non pas pour servir Dieu. C'est parce que tu veux être très fier parmi tes amis que tu es la maman d'un prêtre. Tu veux que toute l'église te respecte. C'est la raison pour laquelle que tu ne veux pas que j'abandonne pour que tu sois appelée la mère d'un prêtre. Hein? Maman, laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi vivre ma vie telle que je veux. Je sais maintenant la raison de mon existence. Je sais maintenant pourquoi Dieu m'a créé. Laisse-moi servir Dieu dans cette manière qui me plaise. Hein? Comme un religieux, pour devenir un prêtre. Je ne deviendrai jamais un prêtre. Ce n'est pas mon appel. As-tu fini? Comme tu peux le voir, j'avais gardé le silence pour que tu puisses tout dire. Vomir tout ce que tu as dans le cœur pour que tu puisses te libérer. Parce qu'au moment où je ferai appel au Saint-Esprit, qu'il puisse entrer au-dedans de toi pour faire le nécessaire. Laisse-moi te dire une chose. Que tu le veuilles ou pas, tu deviendras prêtre. Oui. Je ne le laisserai pas. Tu le deviendras, sans doute. Tu vois ces genoux seront toujours par terre pour prier pour toi. Je ferai appel à ma mère, la mère de tous les mères, la Vierge Marie. Je fais appel à toi, Sainte Marie, prie pour mon fils et moi. Hein? La Reine des Reines, prie pour mon fils. Je t'en prie, ton fils unique, notre Seigneur Jésus. Demande-lui, parce que tout ce que tu lui demandes, il te les donne. Demande-lui, je t'en prie, de bénir mon fils et de lui enlever ces mauvais esprits qui lui poussent à raconter du n'importe quoi. Sainte Marie, hein? Oh, mon Dieu, la mère des dieux, c'est en toi que je me confie. Je fais appel à toi, Sainte Marie. Regarde mon fils, prie pour lui, intercède pour lui. Aide-les à voir clair, je n'ai que toi. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Je crois qu'il serait mieux que je parte à la grotte. Je dois me rendre à la grotte et prier sérieusement pour toi, mon fils. Hey, la mère des opprimés, prie pour mon fils. Sainte Marie, prie pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, prie pour nous. Hey, mon fils. Je ne vais pas perdre mon temps. Laisse-moi aller prier. Oh, mon Dieu. Oh, je vois. D'ailleurs, laisse-moi te sanctifier avec maman, ça. Pourquoi tu forces quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas? Pourquoi tu me fais tout ceci, hein, oui. Maman? De l'huile d'olive, oui.
Je dois... Maman, t'es sanctifié avec ça. Reviens. Où est-ce que tu vas? Je n'en veux pas. Reviens ici. Pourquoi tu veux m'appliquer lui? Je dois appliquer ça sur ton front. Ici, oui. Reviens que je t'applique ça sur le front. Maman, je ne veux pas de tout ceci. Laisse-moi. Jusque-là, maman, ne me force pas. Ce n'est pas la fin du monde. Laisse-moi vivre ma vie. Hein? Pourquoi tu veux que je fasse ce que toi tu veux, mais non pas ce que moi je veux? Ça ne se fait nulle part, maman. Je suis contre de tout ce que tu fais. Tais-toi et laisse-moi chanter. Dégage. Ezine, Maria, yo-yo. Ma mamo, Maria, disso. Ezine, Maria, yo-yo. Ma mamo, Maria, disso. Ezine Maria yo yo, ma mamo Maria dinso. Ezine Maria yo yo, ma mamo Maria dinso. Mon père, comment est-ce que mon fils Steve peut se réveiller un bon matin et décider qu'il ne veut plus devenir prêtre? Ah, mon père, c'est évident qu'il y a un, ça ne va pas. C'est pas possible, parce que le prêtre est son proche de Dieu. Vous savez, c'est comme s'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de le manipuler pour qu'il puisse abandonner la prêtrise. Je vous en prie, mon père, parce qu'il vous écoute souvent, il vous respecte. Il vous prend pour son mentor, je vous en prie, dites-lui de revenir à l'église. Attends qu'un prêtre ou encore un séminariste. Je sais que c'est de votre devoir à tant que prêtre. Je vous en prie. Je t'ai entendu, sœur Mary. Je lui parlerai. Sœur Mary, j'aimerais que tu saches ceci. Personne ne manipule ton fils. Et personne ne pourra jamais le manipuler. Si ton fils choisit de devenir prêtre, personne ne pourra l'en empêcher. Mon père. Steven, ton fils fera un bon prêtre. C'est ce que je me dis. Ça, c'est s'il se décide de le faire. Mais s'il insiste à ne plus devenir prêtre, je vous prie, ne le forcez pas à le faire. Comprends-tu cela? Pas vraiment, mon père. Vous et moi savions que c'est pas vrai. Il le fait pour devenir prêtre. Donc, vous comprenez, nous devons l'aider, l'encourager à devenir prêtre. L'intelligence est limitée, c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. De convaincre quelqu'un à prendre un engagement. Bien, je dois partir maintenant. Il y a des mariages que je dois aller bénir au chapelle. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et aussi avec vous, mon au Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Amen. Je dois partir maintenant. Comme je l'ai dit, ne le force pas, ok? Que Dieu te bénisse. Mais mon Père, vous devez quand même lui parler. Je le ferai. C'est vraiment de l'égoïsme. Tu es un prêtre, mais tu ne veux pas que mon fils le devienne. Tu es vraiment jaloux. Tout ce que je dois faire, c'est continuer de prier. Mon fils doit devenir prêtre. Je sais que mon fils est destiné à devenir un grand prêtre plus que toi, bien que tu exerces déjà. À Reims, tu ne resteras pas le seul prêtre. Mon fils le deviendra aussi. Peu importe ce que tu me dis. Mon cher fils, que Dieu soit loué. Je suis si heureux. Oui. Ah, exact, j'attendrai. Hein? Ok. Oui, c'est correct. Oui. Yeah, bon retour à toi. C'était comment avec le prêtre? C'est quoi cette soudaine inquiétude? Non, pourquoi est-ce que tu t'es soucié soudainement? Bien sûr que je m'inquiète. Tu es ma femme. Et Stephen est mon fils. Alors je devrais être inquiet. Peu importe. Christos Santos, pour ton information, j'ai causé avec le prêtre. Et j'espère qu'il va parler à notre fils. Bien sûr qu'il le fera. Et si c'est la volonté du Dieu Tout-Puissant que Stephen puisse devenir un prêtre, il le sera sans problème parce que je ne veux vraiment pas retourner dans cet hôpital. Oh, exact. C'est donc ça la raison? Tu ne veux pas rentrer à l'hôpital? Santos, c'est quoi ton problème? À la place d'appeler ton fils et lui prodiguer des conseils, hein, pour qu'il reparte au séminaire, tu dis que tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital. Regarde-toi, tu es un malade. Mais j'ai fait cela d'innombrables fois.
Il m'a donné ses propres raisons pour lesquelles il ne veut pas devenir, devenir un prêtre. Tu es sérieux? En tant que chrétien, en tant que père, j'ai cru en lui. C'est vrai? Exact. Avant que je n'oublie, notre fils Stanley a appelé et n'est pas du tout content de toi. Il a dit que tu as refusé de répondre à ses appels. Dis-moi, suis-je obligé? Pourquoi? Il est ton fils. S'il te plaît, s'il te plaît, il est mon fils. Et alors quoi s'il est mon fils? Écoute, écoute-moi très bien. J'ai déjà beaucoup de problèmes dans ma tête. Ok? Laisse-moi d'abord en finir avant que tu ne puisses impliquer Stanley. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Ce stupide garçon, oh, peut-être qu'il t'a appelé? Parce qu'il a des sérieux problèmes là-bas au Royaume-Uni. N'importe quoi, sans effet. Ah bien. Il m'a juste appelé pour me dire qu'il était en train de rentrer au pays. Rentrer où? Dis-lui de ne pas revenir. D'ailleurs, dis-lui de rester là-bas jusqu'à ce que mon fils deviendra prêtre. Oui, parce que s'il revient, ta présence va tout gâcher. Mon fils ne pourra plus devenir prêtre. Sais-tu ce que ça veut dire? Si seulement le prêtre se rend compte que son frère est un occultiste, ils ne feront plus de lui un prêtre. Ils changeront d'avis. Assez avec tes stupidités que tu racontes. Exact. Il était un drogué. Il a commis des erreurs pendant ses jours qu'il a passé à l'université. Il a changé et il m'a dit cela. Il te l'a dit et tu le crois. Exact. C'est exactement ce qu'il t'avait dit dans le passé. À propos, c'est la première fois que tu admets qu'il était occultiste. Écoute-moi, femme. Je te regarde. Mon fils m'a énormément manqué. Et je veux le voir. Je veux qu'il revienne ici, dans ce pays. En paix. Car c'est la même raison pour laquelle il s'est trouvé au Royaume-Uni. Maintenant, je lui ai demandé de revenir ici. Qu'as-tu fait? Exact. Tu as fait quoi? Je lui ai dit de revenir. Santos, tu lui as demandé de faire quoi? Hein? Tu sais quoi? Je crois qu'il serait mieux que tu lui demandes de t'acheter un billet pour que tu ailles lui rendre visite là-bas en Angleterre. Parce que tu vois cette parcelle? Cette parcelle que tu vois est uniquement pour mon fils, le révérend père Steve. Tu as intérêt à aller le rejoindre en Angleterre, s'il te plaît. J'ai pas envie d'entendre cette histoire. Des grâces. Quand vas-tu arrêter de penser que tu vas devenir la maman d'un prêtre? Hein? Et te concentrer sur comment prendre soin de ta famille. Jusqu'à ce que mon fils deviendra prêtre. Hell. Sinon, je n'aurai pas de temps pour cette famille. Maman du prêtre. Ma famille passe après le révérend père Steve. Va à l'étranger. Va maman rejoindre ton très cher fils l'occultiste. Je n'ai pas envie de le voir dans cette parcelle. Maman prêtre, cette chose-là n'est pas bonne pour ta tête. La maman d'un prêtre ne prend pas de la bière. Oh, vraiment. Tu es content? Oui, je dois prendre un peu de temps. Oui. Oh. Ah, mais qu'est-ce c'est vraiment que tu fatigant. Dis là? Moi, je suis fatiguée. Je... Tourne-toi. Tu sais que tu es belle. Et tu as une belle taille. Es-tu en train de dire que je suis grasse? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu es belle. Oh, arrête ça. Oh oui. T'es sûre? On t'a jamais dit ça? Je t'ai dit que tu es belle. Arrête de me flatter. Tu l'es. À cause de la nature. Je n'apprécie pas. Naomi? Oui. Naomi? Oui. Je veux te parler de quelque chose. Mais pardon, ne te gêne pas pour ça. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. Franchement, je... essayais de garder moi-même ce que je ressens. Je n'arrive pas à le garder parce que... vu comment les gens vont l'interpréter quand je vais les dire. La vérité est que... je pense à toi jour et nuit. Et cela ne me permet pas de bien dormir. En tout cas, ne te fâche pas. Je pense que je suis amoureux de toi. Je ne serai pas fâchée contre toi.
Oui, je serai pas fâchée. Parce que je ressens exactement ce que tu ressens pour moi. Stevie, je pense que je t'ai aimé depuis le premier jour où je te vis venir chercher ma grande sœur Esther. Ok. Oui. Je t'ai toujours aimé, mais pas comme je t'aime maintenant. Je passe maintenant toutes mes nuits à penser à toi. Parce que je t'aime profondément. Et je trouvais tout ce que j'ai toujours cherché. Je suis ravie de jouer maintenant. Nous ne pouvons pas faire ceci maintenant, ok? Parce que nous sommes en public. Oh! J'ai oublié que tu viens du petit séminaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Disons que c'est immoral de le faire en ces lieux. Il y a de ceux qui nous voient. Immoral? Oh oui. Il y a quoi d'immoral? Ah, nous sommes en public, c'est difficile de le faire. Oh! Tu vois? Ok, laisse-moi t'apprendre que... Si les gens nous regardent, c'est juste parce que... Nous sommes un très joli couple. Oh oui. Et non parce que nous voulons nous embrasser. C'est parce que nous sommes beaux ensemble. Es-tu sûre? Oh, oui, bien sûr. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oui, qui est là? Qui est là? C'est comme s'il y a quelqu'un devant le portail. Oui. Laisse-moi aller ouvrir. Hey! Ah! Bon après-midi, papa. Ah, bienvenue, mon fils. D'accord, papa. Ah, on y est comme mon frère. Est-ce que c'est bien toi? Hey! Mon cher frère. Bienvenue. Comment vas-tu, mon frère? Bienvenue. J'espère que tout va bien. Attendez. Bienvenue. Donc, c'est vraiment toi? Tu es le bienvenu, mon fils. Merci, papa. Viens, entre. Hey. Maman. Maman, je me suis excusé à plusieurs reprises. Hein? Oui. J'ai été chassé de l'université à cause de certaines activités occultes. Ce qui y a apporté honte et déshonneur à toute cette famille. Et... Cela a même pu empêcher Steven de ne plus devenir prêtre. Mais maman, j'avais voyagé. Et je suis devenu une personne différente. Maman, je suis d'ailleurs un diplômé d'université au Royaume-Uni. Je suis maintenant un diplômé. Hein? Je suis maintenant un diplômé, maman. Alors j'ai passé toutes ces années et je suis de retour. Maman, tu ne peux même pas essayer de me donner une accolade. Après ne pas m'avoir vu pendant beaucoup d'années. Maman, je veux le meilleur pour cette famille. Et c'est pourquoi j'avais voyagé. Et je m'étais décidé de rester là-bas, juste comme tu me l'avais dit, jusqu'à ce qu'il devienne un prêtre. Maman, je n'avais plus d'autre choix que de revenir lorsque j'avais appris qu'il avait changé sa décision. C'est vrai. Oui, maman. Tu as entendu? Tu n'as même pas jugé bon d'appeler ta mère pour confirmer. Tu veux dire que tu es touché par cette information? Ou soit, peut-être, je dis bien peut-être que tu es revenu pour te rassurer qu'il ne puisse plus jamais devenir prêtre. Je crois bien que c'est ça.
Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Hein? Je le sais. Tu sais que j'ai toujours voulu qu'il soit ce qui lui procure de la joie. C'est pourquoi pendant tout le jour qu'il a passé au séminaire, j'ai m'assuré qu'il ne manque d'absolument rien. Maman, tu avais tout vu. Je lui ai d'ailleurs même acheté une voiture. Et j'attendais de la lui remettre le jour de son ordination. Tu m'as acheté une voiture? Pourquoi te réjouis-tu? Cette voiture, tu l'auras le jour de ton ordination. Au cas où tu ne le sais pas. Maman Stephen. Hein? Comment ça, maman Steve? Pourquoi tu ne l'appelles plus mon père? Je t'en prie, ne m'appelle pas maman Steve. Tu vois, je suis désolé. J'étais en train de réfléchir sur... Puisqu'il ne va plus du tout devenir un prêtre, on devrait commencer à t'appeler maman Steven. Pour que tu t'habitues avec déjà. Christo Santos ou peu importe comment tu t'appelles, veille sur ta langue. La prochaine fois que tu oseras m'appeler maman Steve, je te brûlerai avec le feu du Saint-Esprit. Foutaise. Désolé. Maman, prêtre. S'il te plaît, peux-tu pardonner à ton fils et lui souhaiter la bienvenue en tant que mère? Pardon. Maman, je suis désolé, hein? Maman, tu es ma chair et mon sang. Maman? Ça suffit. Arrête-moi ça. Sois le bienvenu. T'es satisfait? Je m'en vais. Maman Steve accueille ton enfant. Bien. Tu es un fou. Bien. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler maman Steve. Fiche-moi la paix. Assieds-toi. Ne t'en fais pas. Elle oubliera cela. Hein? Ne t'en fais pas. Mon frère. Hein? Ah, je suis vraiment ravi de te voir. Et tu m'as fait une surprise. Tu m'as dit que tu m'as acheté une voiture. Oui. Ah. Et c'est vrai. Hein? Ah. Je suis vraiment ravi. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Laisse-moi aller te chercher quelque chose que tu vas prendre. Bien sûr. Merci beaucoup, merci. Tu vois? Mon fils, quand comptes-tu rentrer? Cependant, ce n'est pas de la faute de maman. Je ne vais jamais la condamner. Elle s'est vraiment investie, Steve, pour s'assurer que tu deviennes un vrai prêtre. Oui. Et c'est pourquoi même elle exige beaucoup. Parce que ce qu'elle voulait, c'est te voir devenir un prêtre. Je sais que tu as essayé. Tu as essayé de faire en sorte que ce rêve devienne une réalité. Mais écoute, toi et moi savons que être un prêtre n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Et tu le sais. Alors, c'est mieux pour moi d'avoir un frère qui n'est pas un prêtre au lieu d'avoir un frère qui sera un prêtre mais qui commencera à gâcher la réputation de tous les autres prêtres en faisant du n'importe quoi. C'est ce que je n'ai pas aimé. Vraiment, tu m'as compris sans justement pour autant t'expliquer. Mais maman ne comprend elle pas. Elle ne veut pas comprendre. C'est ça le problème. Hein? Ce n'est pas ma vocation. Hein? Ce n'est pas bien d'y entrer et ensuite commencer à draguer les filles. Demain, on va t'appeler pour te dire que j'ai engrossé une personne. Un autre jour, une autre personne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu que cela arrive. Parce que je sais que ce n'est pas mon appel et je ne peux pas forcer. Calme-toi. Écoute, la question est celle-ci. Maintenant que tu y es sorti du séminaire, que feras-tu après? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Bien. Je double plan. Et je suis encore à l'attente de quelque chose. Alors, j'attends l'occasion qui peut se présenter en premier lieu. Ok. Pendant que tu vas commencer à attendre, je pense que tu dois sortir de cette maison. Parce que une fois que maman continue à voir ton visage, tout le jour, elle ne sera jamais heureuse.
Et tu le sais. Tu as raison. Tu as raison, mais le problème est que... au moment où nous parlons, je n'ai pas beaucoup, tu sais, des moyens qui me permettront de faire tout cela. Vu aussi le comportement de notre bailleur, je pense que ça ne serait pas intéressant pour moi de prendre une maison sans que j'aie l'argent. J'ai loué un appartement pour nous. Bien, c'est la vérité. Ah! Mon frère! Hé! Mon frère, qu'est-ce que tu viens de dire? On me l'a donné. Et ta voiture bien parquée dans l'enclos de cet appartement. Hein? Qu'est-ce que je fais pour avoir tout ceci? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je te dis vrai ou... je n'accepte pas, tu blagues. Non, je ne suis pas en train de blaguer, je te dis vrai. Va me montrer, je suis impatient d'attendre. J'ai besoin de voir mon appartement aussi, ma nouvelle voiture. Hey, tu es sérieux? C'est vraiment beau. Oh, un nouvel appartement. C'est étonnant. Ah, ça c'est notre nouvel endroit. Bien sûr. Très étonnant. C'est vraiment beau. Hein? Oh, okay. Un bon environnement. Tu sais que je t'ai dit que je l'ai loué. Hein? Mais la vérité c'est que... c'est ma maison. Je l'ai achetée. Stanley, je n'accepte pas. Stanley, ne me trompe pas, hein? Où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour avoir tout ceci? Je suis sérieux. Tu sais que tu aimes beaucoup blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer, je l'ai achetée. J'ai acheté cette maison. Et tu as trouvé un nouvel appartement pour nous. Tu m'as dit même que c'est ta maison, tu l'as achetée. Vraiment, sois sérieux. Je sais que tu ne vas pas me croire. Hein? Pourtant, je t'ai dit tu la Tu as acheté cette maison. Je te jure, c'est ça ma maison. Ça me dépasse au... Mon frère! Hey! En tout cas, j'ai acheté cette maison. Tu as acheté cette maison? Oui, non. C'est vrai? Attends d'abord. Tu as fait quoi pour avoir tout ceci? Attends, Stanley. Tu dois me dire la vérité. Ne me cache rien. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Hein, Steven, pour avoir tout ceci? D'abord, non? Écoute-moi. Pendant tout mon séjour au Royaume-Uni, j'étais en train d'épargner. Tu comprends? J'ai épargné. Jusqu'à ce que j'aie tout cet argent. Attends où? C'est comme ça que j'ai mis ensemble mon argent jusqu'à avoir tout ça. Travailler à l'étranger. T'as permis de réaliser ceci. Mon frère, tu devais voir de la manière dont je travaille là-bas. Je peux doubler mes efforts jusqu'à avoir tout ça. C'est vrai. En tout cas, il y avait de très belles opportunités. C'est mieux là-bas que ces pays. Crois-moi, travailler à l'étranger. Tu sais, j'ai épargné pendant combien d'années? Je suis arrivé qu'à 200, 300 naira. J'ai commencé à épargner. Mon frère, il y a de très bonnes choses à l'intérieur. Faudrait qu'on entre d'abord. Viens qu'on entre. Hey! Mais viens, tu vas le confirmer. Tu as acheté cette maison, y compris la voiture. Pour moi? Hey! Hein? Amène ton corps ici. Viens, on va entrer. Travailler à l'étranger, c'est bien. Ces pays rendent les gens pauvres. C'est... Hey! C'est vraiment étonnant. Oh, bébé? Oui? Peux-tu bien me dire à qui appartient cette voiture? C'est ma voiture. C'est Stanley qui me l'a achetée. Il devrait me la donner les jours de mon ordination. Vu que les choses n'ont pas tenu. Oh! Alors, il me l'a donnée. Es-tu sérieux? Ok. C'est bien. Tu as maintenant une voiture. Oh oui! Oh, bienvenue bébé. Merci. Oui. Et ici c'est chez qui? Ok, celle-ci c'est ma maison. Arrête de blaguer. Ça c'est ma maison. Vraiment? Stanley, mon frère, il c'est bien lui qui m'a donné. Il a aussi acheté une maison pour nous. Je ne sais même pas comment le remercier. C'est vrai ce que tu dis? Je te l'ai dit. Propriétaire de la maison, propriétaire de la voiture. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Merci. Oui, c'est une grâce. Waouh.
Entrons, tu peux aller voir l'intérieur, entrons. Es-tu sérieux? Oui, je suis sérieux. Bébé, cet endroit est merveilleux. Tu aimes ce que tu vois? Oh oui! C'est l'œuvre du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui! Et où? Oh, bébé. Naomi. Bébé. Naomi. Je ne suis pas prêt pour faire ceci, ok? Patientons vraiment au moment opportun. C'est alors que ceci peut se faire. Bébé, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Naomi. Je suis dans la chambre. Bébé. Ok. Esther, comment tu vas? Papa, elles sont là. Au moins, je peux bien voir maintenant. Ma fille. Merci, papa. Bienvenue. Papa, merci pour tout. J'espère que tu es bien maintenant. Oui, papa. Je t'ai servi des docteurs, vraiment. Ils m'ont beaucoup aidé. J'ai maintenant ma lucidité. Plus besoin de me gratter. Je n'ai plus de douleur, plus rien ne me dérange. Une raison de plus pour moi de servir Dieu comme une sœur révérente. Il m'a encore prouvé son amour. Esther, qu'est-ce que c'est? Tu as encore commencé? Hein? Après tout ce qu'on a eu à faire là-bas à Calaba, tu recommences? Ma femme, tu sais que j'ai du mal à gérer cette fille. Quand elle est à la maison, elle est toujours au téléphone avec son petit ami. Je ne peux pas te dire qu'elle est restée prendre soin de moi. C'est difficile même de la voir. Très difficile. Naomi, tu ne préparais pas pour mon mari? Oh maman, j'avais préparé pour papa. Toi-même tu sais, papa mange beaucoup, ne le suis pas. Aïe, qui est ce petit ami dont il parle? Maman, allons à l'intérieur, je vais tout te dire. Allons-y. Bienvenue. Maman, viens. Merci. Non, tu vas rater. Naomi. Hey. Naï, désolé, oh. Dieu merci, je suis retournée. Je te ferai ton plat préféré. T'inquiète, mon mari. Désolée. Éducatrice. Je te connais bien, ce n'est pas seulement pour la nourriture. On se connaît, mon mari. Ce n'est pas seulement pour la nourriture. Je suis content comme tu es revenu. J'ai rendu merci de m'avoir donné une femme comme toi. Je suis très fatiguée. Oh chérie, entre dans la maison. Je savais que tu avais besoin de te marier. Mais je ne savais pas que ça allait être si tôt, hein? Ma jolie fille. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse auparavant. Alors dis-moi, qui est ce spécial, chanceux, prince charmant garçon qui t'a rendue si heureuse? Qui est-il?
Bien, maman, laisse-moi te donner les détails. J'ai de sentiments pour lui de le premier jour où j'ai posé mon regard sur lui. En ce moment-là même, je savais que j'avais vu mon mari. Maman, je l'aime profondément. Oui, et devine, il s'agit de qui? Naomi, arrête. Tu sais que je ne suis pas bonne en devinette. Vas-y, dis-moi, qui est ce gars? Ok, laisse-moi te dire. Son nom, c'est Steven. Steven? Oui, maman. Qui est Steven? Steven était ici pendant que vous étiez là-bas à Calabar pour sa chirurgie. On s'est échangé des contacts et on est mis ensemble. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Son nom, c'est Steven. Il est l'ex-séminariste. Jésus-Christ! Qu'est-ce qui se passe? Les Steven qui doit être ordonné prêtre. Oui, il allait devenir prêtre. Sainte Vierge Marie! Oh, Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te prie, délivre-nous du mal. Amen. Amen. Steven m'a dit qu'il n'est plus au petit séminaire et qu'il n'est plus intéressé à devenir prêtre. T'es une menteuse. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Maman, je peux avoir mon téléphone? Elle ment. Je ne mens pas. Qu'est-ce que tu cherches avec tes yeux? Mais je comprends pas. C'est quoi le problème? Attends. Oui, maman. Ah. Ça veut dire quoi? Mon mari, où est Esther? Elle vient de passer ici, maintenant là. Je crois qu'elle est partie à l'église. Rendre grâce à Dieu pour son intervention. Ok. Pardon, je veux assez que tu t'assoies aussi à mon côté. Tu sais que ça fait un peu de jours que tu es absente. Assieds-toi. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Vraiment, j'attendais le moment opportun. Quand tu es de bonne humeur pour discuter les problèmes de notre fille Esther. C'est clair, Esther veut devenir une révérende sœur. Alors, elle a besoin de ton soutien et prière en tant que mère. Maintenant que sa sœur est en relation, c'est décidé pour le mariage. C'est mieux de permettre à Esther à servir Dieu en tant que révérende sœur. Je penserai à propos. Pour être vrai, je ne savais pas que Esther a été remplie de ce pouvoir. Lorsqu'on était à l'hôpital, papa de Esther était en train de prier. Et les malades étaient en train de guérir sur place. Et c'était devant mes yeux. Si Esther n'était pas ma fille, je n'allais pas du tout croire. Parce que je ne croyais jamais au miracle. Mais cette fois-ci, Esther a prié pour une femme. Elle a été guérie immédiatement. Mon mari, c'est la vérité. Esther est vraiment bénie. S'il te plaît. C'est vraiment ce que tu as dit. Esther a prié pour moi les mois derniers et je vis un changement. Je peux te confirmer que je ne peux pas nier tout ce que tu viens de me dire.
Alors, c'est l'une des raisons que nous devons lui accorder ce qu'il nous a toujours demandé. Ce n'est pas que je ne veux pas la soutenir dans ses rêves. Tu sais que c'est elle qui est plus attachée à moi, parmi mes filles. Alors voilà pourquoi ça me semble un peu difficile de l'accorder. Mais je t'ai écouté. Je ferai de mon mieux. C'est bien. Merci, mon amour. Excuse-moi, j'ai une discussion avec Naomi. Je peux voir maintenant que vous deux, vous vous entendez maintenant. Oui. On est vraiment en train de se débrouiller ensemble. Okay. T'as compris? C'est ce qui s'est fait. Ok. Excuse-moi. C'est bien. Ok. Oui. Qui est là? Ah. Bonjour, papa. Ma chère fille, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Bienvenue. Mon fils m'a dit que tu étais allé à l'hôpital pour une opération de l'œil. Oui, papa. J'espère que ça a été. Oui, papa. Papa, je suis venu chercher votre fils, Steve. Il est sorti. Il n'est pas à la maison. Tu sais, depuis que son frère est revenu du Royaume-Uni, il n'est presque plus à la maison. L'as-tu au moins appelé? Ah, papa, je l'ai appelé au téléphone, mais il ne prenait pas mon appel. Je peux aller l'attendre non, dehors. Non, tu peux l'attendre ici. D'accord, assieds-toi. Papa. Assieds-toi. Oui. Merci. Je reviens. Ok. Ma chère fille. Oui, papa. Tu sais, avec tout le temps qu'il a pris, là, je ne pense pas que mon fils reviendra aujourd'hui. Alors, je suggère que tu rentres à la maison et quand il reviendra, je lui dirai que tu étais venu lui rendre visite. Ok, papa. Mais, papa, s'il vous plaît, dès qu'il est là, faites-lui savoir que je l'ai appelé. Et que j'étais venue jusqu'ici pour le voir, mais il n'était pas là. Ok, je le ferai. Je le ferai. Oh. D'accord, papa. Merci, papa. Désolé pour ça, oh. Merci, papa.
Open up to him, tell him that you love him. I love him so much, I have feelings for you. If you leave me, I go die. I have to be lost to you. I love you so much, I have feelings for you. If you leave me, I go die. I have to be lost to you. I love you so much, I have feelings for you. I just want to be with you. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces changements d'avis? Pourquoi Steve ne veut plus devenir prêtre? Il ne m'a même pas parlé de ça, vraiment. Est-ce que c'est ma sœur qui l'a poussé à changer d'avis? Non, je ne pense pas. Ma sœur que je connais n'est pas capable de faire ça. Mais pourquoi il ne prend pas mes appels alors? Je dois peut-être rentrer à la maison et me préparer pour la messe du soir. Certainement, je le verrai à l'église. Hey, le matériel c'est rien même. Ah ouais, hey. Je suis très heureuse. Semi, Semi. Esther. Semi, qu'est-ce que tu fais ici en touchant une femme comme ça? Semi. Semi. Esther. Où est ta soutane? Esther, ce n'est pas le temps de bombarder mon beau-fils avec des questions. Ton beau-fils? Oui. Semi, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Je t'appelais depuis, tu ne décroches pas mon appel. Esther, je t'ai cherché il y a quelques semaines pour te dire que je ne suis plus intéressée pour devenir un prêtre. Mais tu n'étais pas là. Je suis content d'être en relation avec ta sœur que je n'ai pas vue pendant beaucoup d'années. Les restes de l'histoire, c'est ce que tu as vu. Je n'ai pas voulu te dire tout ce qui m'est arrivé au téléphone, tout simplement pour la raison de notre fraternité. Tu sais, aussi, je ne vais pas te décourager à concrétiser ton rêve de devenir une révérende sœur. Ce que je peux dire est que j'ai convaincu ta mère à signer le formulaire. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, mes félicitations. Révérende sœur Esther. Une autre nouvelle est que... je suis en amour profond avec ta sœur Naomi. Et par la grâce des dieux, nous allons nous marier. Oui. Esther! Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Esther! Esther! Soulève-la, soulève-la. C'est quoi le problème? Aidez-moi. Esther! 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 Mon Dieu. Vite, vite, ouvrez la portière de la voiture. Oh non, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Esther, c'est quoi? Esther, Esther, je ne peux pas accepter. Esther, Esther. Qu'est-ce qui se passe encore? Infirmière, elle va se réveiller quand?
Je ne sais pas trop, mais... S'il te plaît, infirmière, qu'est-ce qui l'a amenée vraiment à s'évanouir? Elle ne s'est jamais évanouie durant toute sa vie. Je ne peux rien vous dire sur ça, mais je vous suggère de demander au docteur. Je ne suis pas autorisée à dire quoi que ce soit. Ou vous les saurez quand vous aurez les résultats. Ok, merci. Maman, oui. Hey, ma fille, je suis là. Esther, je suis là. Je suis là. Et j'ai déjà signé ces documents. Oui, ton document du séminaire, oui, c'est déjà signé. Oh, Mam, c'est parce que tu dormais. Je t'avais déjà donné ma bénédiction. Et ton père aussi l'a déjà fait, ma fille. S'il te plaît, sois libre de servir ton Dieu. Deviens une sœur religieuse. Oh, fais ce que tu veux. Sers-le en esprit et en vérité. Oh, tu as mon soutien. Deviens celle que tu veux, ma fille, oh, s'il te plaît. Sois en vie pour moi. Fais tout ce que tu veux, ma fille, s'il te plaît. Oh, je t'en prie. Je ne veux plus être une révérende sœur, maman. Hein? Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux... Steven. Hein? Tu veux qui? S'il te plaît. S'il te plaît. Reste loin de Steven. En tout cas, je t'en prie. Laisse-moi vivre en paix avec Steven. Je t'en prie, ma soeur, je n'ai pas de problème. Pardon. Naomi, calme-toi. Papa ne me demande pas de me calmer. Quelqu'un qui dit qu'il veut me nommer et toi, Naomi. Tu me demandes de me calmer. C'est quoi avec toi? Tu n'as qu'à devenir soeur, s'il te plaît. Si tu veux parler, va à l'extérieur. Maman, s'il te plaît, essaye de la parler. En tout cas, je n'ai pas de problème avec mon homme. Ça, vraiment, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter, je vous dis. S'il vous plaît. Esther, s'il te plaît, ne donne pas au diable l'occasion de monter sur toi, s'il te plaît. Esther, je t'en prie. Esther, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Oh, ma fille, s'il te plaît, oh, je t'en prie. Je t'en prie, oh. Je t'en prie, calme-toi, oh. Ma fille, s'il te plaît, oh, ne fais pas ça. Sois calme et de la maîtrise. Je t'en prie. Ma fille, s'il te plaît, oh. On a besoin de toi. Hein? S'il te plaît, ma fille. Si tu veux avoir une femme qui a une belle apparence, je vais la prendre, je te prie. Laisse-moi, Esther. Oh, Esther. Écoute, touche, c'est la même chose. Je ne l'ai jamais fait avant. Je ne l'ai pas encore fait, oh. Je ne l'ai jamais fait avant. Esther. Non. Esther, laisse-moi te dire que ça, c'est le démon qui anime en toi. Non, Esther, je sais que tu ne peux pas faire ceci. Ça, c'est l'œuvre du diable. La Bible dit, priez sans cesse pour que vous ne soyez pas tentés. Car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Blessed Virgin Mary, it's in 90 Jemba. I don't know, Mama, is it in your kin of Waka? Of my father, I read on her. Mama must become a priest. Okay, Chilili Father. Masarafa. Okay, Chilili Father. I, Mama, but Chili go to your Nefada. God bless you. You must be a priest. Thank you.
What must be, in a girl, well, you are if any net in a catch you good, in a be wagger. Never, father. She wants him to be a reverend father, that's all. Virgin Mary, as in 90 I don't know, mama, is it in your kin of Waka? Upon my father, I read on Nara. Mama must become a priest. Okay, Chilili, father. Masala, father.